qui attendra Pierre Palmade à la sortie de l'hôpital. En dehors de la presse, sûrement pas grand monde. Presque trois mois après son terrible accident de la route, l'humoriste doit sortir de l'hôpital lundi 24 avril. La cour de travailleurs du sexe et de consommateurs de drogue qui l'entourait a depuis longtemps déserté. Mais Pierre Palmade s'est aussi coupé des quelques amis qui étaient restés. Avant même l'accident de la route du 10 février dernier, l'humoriste s'était isolé, pris dans la spirale de l'addiction. Après des tentatives désastreuses de retour sur scène, gêné par des démons, il ne répondait plus aux SMS, ni aux appels, même ceux de ses intimes, indiquent nos confrères de Paris Match. Depuis l'accident, écœuré de l'excès de trop qui a cette fois fait des victimes, les derniers proches ont claqué la porte. Muriel Robin lui a adressé une lettre de rupture. Michel Larocque montre qu'elle veut tourner la page de cette amitié. Reste une toute dernière amie. Il peut encore s'appuyer sur Carole Bouquet, intime de toujours, indique Paris Match. Côté famille, le soutien n'est pas beaucoup plus prononcé. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille Pierre Palmade, quelle suite à sa carrière? L'humoriste va-t-il par la suite rester discret? Pas sûr. Il aime être un homme public, il a toujours vécu ainsi, il n'est pas du genre à quitter la scène en toute discrétion. Et il va avoir du mal à comprendre que sa carrière est terminée, indique un proche dans les colonnes de Paris Match. Un pari qui, au regard de la gravité de l'affaire, semble bien difficile à gagner. Crédit Photo, agence.